Bonsoir. Je vais vous dire quelques mots très vite avant de vous lire des extraits du texte pour faciliter peut-être la compréhension. Il y a quatre voix dans le texte que je vais tâcher de rendre les plus distinctes, les plus identifiables possibles. Donc les voix d'une jeune adolescente et d'un garçon un petit peu plus âgé qu'elle, donc ils sont dans les scènes ensemble, vous les verrez. Il y a aussi la même jeune fille plus tard, voilà, devenue jeune femme. Il y a les voix didascaliques et le texte est traversé par des séquences d'entraînement. Qui ponctue comme ça le texte. Donc je vais vous en lire des passages. Voilà. À la carabine. Tu le sais quel jour on est aujourd'hui ? Viol, 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 viol. Sarah Strisberg, la faculté des rêves. 1. Bouche. Sus, connard. 1. Tu poses l'arme contre ton épaule. Tu poses ton œil dans la ligne du viseur. Tu serres le levier d'armement. Tu armes. 2. Prise en main. Qu'est-ce que tu fais ? Ça se voit pas ? T'es toute seule ? Non, je sais pas où sont les autres. Tu t'es perdue ? Je crois qu'ils sont aux autotamponneuses. Ah. Et toi, t'aimes pas les autotamponneuses ? Je préfère ici. Pourquoi ? Parce que tu peux gagner quelque chose. Ah. T'en as touché combien ? Chut ! Quoi ? Tais-toi ! Tu me parles, ça me déconcentre. Il est par là, ton frère ? Il est aux autotamponneuses, pourquoi tu vas pas le voir ? Ta mère m'a dit de te surveiller. Genre ? Si, c'est vrai. Elle m'a dit, va voir ce que fait la petite, j'aime pas qu'elle traîne à la fête foraine. Je fais rien de mal, je joue. Elle dit que ton frère te surveille pas comme il faut. Il sait que je suis là, je vais nulle part, ça va ? Elle a raison, ta mère. Il devrait pas te laisser toute seule. C'est bon, le toutou ? On dirait un chien de flic pour maman. Quoi ? Tu vas me déconcentrer et après je vais perdre. Laisse-moi tranquille. Tu la tiens pas comme il faut. De quoi ? C'est pas avec les bras. Il faut la poser contre ton épaule. C'est bien. Avec les bras, tu vas trembler, ça va partir à côté. Je peux le faire si tu veux. Non. Pourquoi ? Parce que... Je peux tirer, je peux te gagner ce que tu veux. J'ai pas besoin que tu m'aides. Pour de vrai, laisse-moi essayer. Paye-toi une partie tout seul. Allez, je veux gagner, moi. Je vois pas ce que ça change. Si c'est toi qui gagne, ça sera pas à moi. 3. Cross. Les ballons multicolores tremblent dans la cage. Concentration. 4. Langue. Tu te demandes si c'est une vraie ? D'après toi ? Elle dit quoi, ta langue ? Lèche un peu. Tu sens le métal ? Il est comment ? Il est chaud ? Si je le colle là, desserre les dents. Si je le colle contre ta langue comme ça, c'est comment ? Ça brûle ? Ouvre grand. Je veux voir ta langue fait « ah » comme chez le docteur. N'avale pas ta salive, ça passe toujours mieux avec un peu de salive. Quand t'avales, tu serres la gorge, tu serres les joues, tu vois, il y a tout qui se ferme.
Ouvre grand, plus grand que ça. Je veux voir tout au fond. Tu sens le métal? C'est du vrai? Ça a le goût de quoi? Ça a le goût du sang? On dit que le sang a le goût du métal, alors est-ce que le métal a le goût du sang? Desserre les dents, connard, je t'explose la mâchoire. 5. Dispersion. Quoi? Rien. Pour de vrai, tu saoules, hein? Pardon, mais c'est toi. Quoi, moi? Toi, là, comment tu la tiens? Ben quoi? Je la tiens très bien. Ça se voit qu'elle est trop lourde pour toi. Elle n'est pas trop lourde. Tes tout petits muscles de bébé, là. Me touche pas! Sérieux, t'es pire que mon frère. J'arrive pas à m'arrêter. T'as pas d'autres gens à voir que tu connais, là? T'as pas des amis? Sérieux, c'est sur toi que je vais tirer, hein. Pardon. Rentre chez toi. Je peux pas te laisser seule. J'ai promis à ta mère. Je lui dirai rien, ça va. Elle a raison, en plus, de bien te surveiller. Il y a plein de mecs pas nets ici, hein. T'as peur. Genre, t'as peur de ma mère. Fais pas ta grande. C'est toi qui as pas le droit de rester toute seule, hein. Ha ha. Faut viser à côté. Quoi? Il trafique le canon. Le tuyau à l'intérieur est tordu. Ça dévie la trajectoire de la balle. Mais c'est de la triche! C'est pour ça, faut viser à côté. Comment tu le sais, toi? Tout le monde le sait. C'est pas possible! Comment ça se fait qu'ils le font encore si tout le monde le sait? Il y a encore des petites comme toi qui le savent pas et à qui on peut prendre toute la caillasse. Recule! Je rigole! J'ai dit recule! Tu sais même pas de quel côté il faut tirer, tu sers à rien! Il faut viser à droite. D'où? Ta balle a touché à gauche du ballon. Bah, faut viser à gauche alors. Bah non, réfléchis. Quoi? Si la balle va sur la gauche, alors faut viser à droite. Hein? C'est pas trop ça, l'orientation. Hein. De quoi? Les mammouths, la chasse, tout ça. Ta gueule! Oh! Comment tu sais déjà que j'ai touché à gauche? Fallait regarder quand t'as tiré. T'essaies de me faire perdre. Pas du tout. Je te montre si tu me crois pas. Mon frère m'a montré. J'ai pas besoin de toi. C'est ton frère qui t'a montré de faire comme ça? Oui. Il pose la main sur la carabine. Tu fais quoi? Je te montre. Recule, t'es trop près. Je t'ai pas touché. Tu touches mon dos, là. C'est pour que tu vois. Il serre sa prise. Mais lâche! T'es une têtue, hein. T'as une tête de têtue. Tu m'écrases la main. Je te la remets droite. Lâche, je te dis! Il pousse le canon. Là, tu vises les pluches. Mais t'es chiant à la fin, j'ai pas besoin d'aide, t'es bouché! Laisse-moi tranquille! Quoi? Rien. T'es chiant. Je vais le dire à mon frère que t'es qu'un gros lourd chiant. Il s'est foutu de ta gueule, ton frère. Il tire très bien, il tire mieux que toi. Tu paries que c'est faux? Il t'a pas montré comme il faut. Il m'a montré très bien. Je me suis entraînée. Il faut faire pour de vrai pour apprendre. Il n'y a pas d'autre façon. Si t'as jamais fait pour de vrai, quand t'arrives face à une vraie, voilà. Tu sais pas faire. Un plomb s'écrase au fond de la cage. Fais chier. Entraînement 2. Tu fais des abdominaux. Tu serres les poings. Tu lèves les fesses. Tu te bandes les mains. Tu renifles. Tu enfiles tes gants. Tu baisses les fesses, tu fais des pompes, tu te bandes les cuisses, tu souffles, tu frappes l'air, tu bois de l'eau, tu lèves la jambe, une, uppercut, deux, tu gaines le ventre, trois, tu gaines le dos, jeu de jambes, tu te protèges le visage, tu relèves tes cheveux, tu craches, tu relâches, tu transpires. 7. Palais. Tu sais comment on appelle le trou noir, là, au bout du canon? L'âme. C'est joli, non? Mon âme va te casser les dents. Elle va brûler tes gencives, te faire exploser le nez, faire gicler ta cervelle. Tu dis rien? Tu veux pas me demander d'arrêter? Tu veux pas me menacer? T'as les mains libres, la bouche pleine, ça a jamais empêché personne de parler, pourquoi tu bouges pas? C'est fou! Un homme a un canon dans la bouche, il faut encore lui dire de dire non. Tu trouves pas ça à crever de rire? Ouvre grand.
Il y a encore plein de place au fond de ta gorge, tu te rends pas compte? L'élasticité de ta gorge, tout ce qu'on peut faire passer par là, t'y croirais pas? Tu vas voir, une fois que c'est dedans, c'est comme une lettre à la poste, il y a de la place pour tout le monde. Tu le sens descendre le long de ta gorge? Tu sens le métal qui coule, dur, il est chaud ou il est froid? Est-ce qu'il a les goûts du sang? Tu dis toujours rien, t'es toujours d'accord, je continue? Détends bien, mets ton bavoir, là, tiens, mange. Tu vas tout avaler et là, chut, écoute, tu vas tout avaler et quand je serai tout au fond de toi, dans ton ventre, mon âme, le trou noir là, tout au fond de toi, mon petit doigt fera une petite pression avec mon tout petit muscle là, sur la détente et là, pan. Pourquoi le dauphin? Quoi? Il y a plein de cadeaux super. Pourquoi tu veux un dauphin en peluche de merde? C'est pas de la merde. Tu préfères pas l'arc et les flèches? Non. Il est en bois, on dirait. Hein. Je veux pas de l'arc. Tu pourrais t'entraîner à viser pour de vrai, au moins. Je veux un grand dauphin depuis longtemps. J'en ai qu'un petit chez moi. Et alors? Et il est trop petit. C'est ton kiff, les dauphins? J'en ai vu en vrai, c'est pour ça. À l'aquarium? Non, dans la mer. Ah ouais? Ouais. Comment t'as fait? On a pris le bateau. Sérieux? Y avait ton frère? Oui, pourquoi? Comme ça. J'ai jamais vu de dauphin en vrai. Alors tu peux pas comprendre. J'en ai vu une fois qu'il faisait des numéros dans une grande piscine, mais on n'aurait pas dit des vrais. Il faisait des loopings pour manger du poisson, et un mec en combi donnait des coups de sifflet, et ils obéissaient. J'en ai vu aussi des comme ça, je vois de quoi tu parles. C'est pas la même chose. C'est l'eau de la piscine autour et le sifflet, du coup on dirait des faux. C'est le dressage. Ça fait que c'est pas pour de vrai. Quand il saute, ça fait faux. C'est ça. J'ai faim. C'est pour ça que t'es gros. Quoi? Ferme ta gueule, je suis pas gros. Mon frère, il dit que t'arrives pas à le rattraper. Tu sais pas courir. N'importe quoi. Il dit quoi, ton frère? Il dit que t'es trop gros pour courir. Mais ferme ta gueule, je lui casse sa race à ton frère. Il parle quand j'étais petit. J'ai eu un problème de croissance. Tu grandissais dans le mauvais sens? Vas-y, mais... T'es comme ton frère, là. Une sale hyène de langue de vipère. Oh, les mêmes, tiens, avec ta sale tête. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas de ma faute si tu sais pas courir. C'est quand j'étais petit. C'est fini, je te dis. En plus, c'est dégueulasse de te foutre de la gueule des petits. Tu vas pleurer. Je lui pète la gueule à ton frère. Je suis pas gros. Mon frère est plus musclé que toi. Genre, si. Je fais la même taille que lui. Ah non. Ah si. Ah non. Ben t'en sais quoi? Je l'ai vu à la piscine. Et moi, tu m'as vu à la piscine? Ah non, je veux pas voir ça. Fais pas ta tête de dégoûté. Tu ferais moi la maline, je te le dis. C'est pas vrai que t'es gros. Bien sûr. Même avant, je te trouvais pas gros. C'est mon frère qui disait ça. Je fais beaucoup de sport. Je cours toutes les semaines. Mon frère, il dit que je suis grosse. Quoi? Il dit que je suis grosse et que je fais que grossir. Il est fou, ton frère. T'es pas grosse. J'ai grossi cette année. T'as pas grossi, je trouve pas. C'est là, au niveau du ventre. J'ai du mal à fermer mes pantalons. Je te trouve très bien. Tu veux partager une barbe à papa de gros? Ta gueule. Je te l'offre. Et si tu veux, après, on va faire du shopping pour les gros. Ma mère dit que je suis pas grosse. Elle dit que je grandis et que c'est normal. Faut toujours écouter sa mère. Elle engueule mon frère quand il se moque de moi. Il a peur de ma mère, mon frère, trop drôle comme il a peur. Ton frère se foutait de ma gueule quand on était petit. Aujourd'hui, je lui mets la misère. Et c'est lui qui va devenir gros à force de manger des McDo dans les jeux vidéo. Tu vas devenir une bombe et ton frère, il aura la mort, je te dis. T'as grandi en vrai. J'avais pas remarqué. C'est vrai? Un peu. Merci. Une auto-tamponneuse dorée tamponne une auto-tamponneuse grise. Cri de joie. Entraînement 3. Tu astiques le canon, tu nettoies la lame, tu serres les poings, tu charges l'arme, tu enfiles tes gants. Tu glisses le couteau dans la poche de ton jean, tu verrouilles l'arme, tu lances à crochet du droit, tu poses l'arme contre ton épaule,
Hypercute, tu poses ton œil dans la ligne du viseur, tu saisis la crosse, tu craches, tu glisses ton doigt dans le pontet, tu serres le levier d'armement, tu caresses le manche du couteau dans ta poche, tu caresses la queue de détente, tu armes, tu renifles, tu saignes. 10. Canon. Le sucre rose s'enroule autour du bâtonnet de bois. La salive inonde la bouche. 11. Position. Je grimpe à cheval sur mon petit dauphin. Je le serre fort entre mes cuisses, pas trop pour ne pas l'étouffer, je bouge doucement. Je m'accroche à son aileron, je retiens ma respiration, je sors la tête pour respirer, c'est la nuit sous la couette, il fait froid mais j'ai chaud. Je tire le dauphin vers mon ventre, ses nageoires caressent mes cuisses, ça chatouille dans mon ventre, mon cœur bat plus fort, j'ai envie de crier mais je me mords les joues. Le petit dauphin plonge, je le tiens bien par l'aileron, cuisses, ventre, fesses, son museau me frôle, il nage plus vite, je l'encourage, c'est bien, comme ça, ne t'arrête pas. Son ventre bleu et rond me caresse, je sens le bout de son museau, il cherche l'endroit. Des fois c'est le ventre, des fois c'est sur le côté, c'est souvent à droite, j'ai remarqué. Je bouge mes cuisses, pas par là, j'appuie sur son dos, j'écrase toute ma main bien à plat. Je déteste sentir mes doigts, mes ongles, je déteste sentir ma peau, je n'aime pas me toucher. Je ferme les yeux, ça monte dans mon ventre, je descends, le noir n'a plus de fin, la pression à mes oreilles, ma tête va exploser. Je sens l'endroit, ça se rapproche, pas trop fort, pas trop vite. Si tu vas trop vite, l'endroit, c'est là. Si tu vas trop fort, tu vas le rater. J'attrape la tête du petit dauphin, je la remonte fort entre mes jambes, je respire très fort. Brusquement, un grand boum, le mur du son et la vitesse de la lumière. J'ai chaud, je plante mes ongles dans la peau du petit dauphin, je serre les dents, c'est là, il crie de joie. Raté. Ta gueule, en plein dans le rien. Pourquoi tu joues pas si tu t'ennuies? Moi? Montre-moi, t'en mourrais d'envie. J'en mourrais pas. On fait un concours? Non. T'as pas envie? Non. T'as peur de perdre? Genre, je tire très bien. C'est quoi ta tête, là? Rien. T'as ta tête de contente? Je sais très bien ce que ça veut dire quand les filles ont leur tête de contente. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta tête, là, tu dois bien te marrer. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui te fait rire? Toi? Moi? Ta tête? Elle te fait rire, ma tête? Ben oui. Ben t'es conne. Il prend la carabine. Je croyais que t'avais pas envie. Je vais te gagner ta merde, là, et après on se casse. J'ai autre chose à faire de ma vie. Tu me la rends après. Il la vise. Ha ha. Pas vers moi, t'es un malade. Main en l'air. Arrête. Oh, t'as peur. Arrête, c'est pas drôle. Pour de vrai, t'as peur. J'aime pas comme tu joues. J'ai rien fait, c'était pour rire. C'est pas drôle de viser les gens. Tu vises à gauche? Ça t'intéresse maintenant. C'est ma partie, alors tu me montres. Tu veux pas demander à ton frère plutôt, s'il est plus fort que tout le monde? Lui. C'est contre l'épaule, tu vois? Pas besoin d'utiliser les muscles. Elle regarde. Recule-toi. Quoi? Je peux pas viser. Quinze. Dents. Tu te souviens de ma bouche? Est-ce qu'elle était noire et ronde? Est-ce que j'ai serré les dents? Est-ce que j'ai dit non avec mes dents, avec mes yeux, avec mes muscles? Tu te souviens de mes muscles? Est-ce qu'ils te serraient fort? Est-ce qu'ils avaient envie de toi, sale porc dégueulasse dans ma bouche? Tu vois comme je la tiens bien maintenant, comme je la tiens ferme? Je suis grande, tu vois. Ma main ne tremble pas. Tu te souviens de ma main? Tu l'as prise et tu l'as serrée fort et tu ne l'as plus lâchée. C'est à moi, je la garde, tu te souviens? Pauvre merde, t'es tout petit. T'étais déjà tout petit avec tes pattes couilles, pas capable de prendre quelqu'un de ton âge et de lui demander la permission. C'est la base, connard.
Elle t'a pas expliqué, ta mère, connard, quand t'étais un petit connard? Elle t'a pas dit que t'as pas le droit de jouer avec les jouets des autres sans leur permission? Tu n'as pas le droit de prendre ce qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ce qui n'est pas à toi. Pose la pelle, rends le râteau à la petite fille. La petite fille pleure, elle veut son râteau. Demande pardon, connard. Pardon, petite fille, je n'aurais pas dû prendre ta pelle et ton râteau sans ta permission. Pardon, dis pardon. Plus fort, faut que je te défigure la gueule pour que tu comprennes. Pardon, répète, on dit pardon. Pardon, c'est pas dur, faut te le copier. Pardon, plus fort, pardon, j'entends rien. Tu enfiles tes gants, tu serres les poings, tu astiques le canon, tu lances à crochet du droit, tu glisses le couteau dans la poche de ton jean, tu te bandes les jambes, tu fais des pompes, tu verrouilles l'arme, tu te bandes les bras, tu fais des abdominaux, uppercut, tu cours, tu donnes des coups de pied, tu saisis la crosse, tu griffes, tu donnes des coups de genou, tu glisses ton doigt dans le pontet, tu te bouches les oreilles, tu tires par les cheveux, tu déchires, tu mords, tu serres le levier d'armement, tu plantes tes ongles, tu caresses la queue de détente, tu frappes, tu craches, tu tabasses, tu piétines, tu saignes, tu insultes, tu cries. 16. Fléchisseur. Un canard en plastique rouge tourne en rond dans un bassin. Orage. C'est bon? Chut. C'est bon? Mais chut! Tu mets trois plombes. Arrête de parler. Tu me parles tout le temps. C'est toi qui me parles. Tu me racontes ta vie. J'ai vu des dauphins dans la mer. Blablabla. C'est pas de ma faute si tu perds. Eh, hey, me parle pas, je suis trop lente. Je rigole. Les mammouths, tout ça, je peux pas parler et viser en même temps, je suis sous-développée. Arrête. J'ai vu des dauphins dans la mer, nanana. Ben, je te réponds plus puisque ça t'intéresse pas. J'ai pas dit que tu m'intéressais pas. Recule. Tu diras merci ton frère. Lui s'amuse pendant que je te garde. T'as qu'à partir. Ta mère m'a demandé. Ta mère demande, je lui rends service. Si tu crois que ça m'amuse de faire la babysitter pour bébé? Bon toutou, oh! Il s'approche. Tu fais quoi? Il passe ses bras autour d'elle. Je te touche pas, je te montre. Arrête! Il se colle à son dos. La crosse contre l'épaule. Tu me touches? Je te montre, je te laisse tirer. Il soulève l'arme. Là. Tu vois, ça pèse rien. Il pose sa main sur la sienne. Pas comme ça. Quoi? Il prend sa main. Voilà, plus haut, faut repartir le poids, tu vois? Il laisse sa main sur la sienne, il se penche, l'œil dans le viseur. Tu vois bien le canon? Hein? Et le poids, ça va? Hein? C'est plus facile comme ça, non? Hein? Oh, c'est plus facile? Oui. Il serre ses bras autour d'elle. Maintenant, tu vises sur la droite. Ferme un œil. Elle ferme un œil. Quand tu le sens, t'es prête? Il glisse son doigt dans la détente. C'est bien. Il serre son doigt contre le sien. Tu la tiens bien là. Son doigt est moite. Prête? Un. À trois? Un. Quand tu le sens, à trois? Un. Deux. Je prends sa main. Je sais pas pourquoi elle est là, et je la prends et c'est comme si c'était rien. C'est tellement facile que ça me fait peur. Les filles ne doivent pas donner la main comme ça. Je déteste les filles qui comprennent pas qu'elles sont des filles. Je serre sa main, elle colle. Je prends sa nuque, elle ne dit rien, elle laisse faire. Ses yeux s'ouvrent grands, on dirait qu'elle va parler. On dirait qu'elle est triste. Elle voulait pas que je tire, elle voulait faire toute seule, elle a perdu. Elle voulait faire sa grande et que je n'existe pas. J'aurais pu le gagner, ton dauphin, et t'aurais pu l'avoir et tu serais contente. C'est bien fait en vrai. Elle a fait sa fière, elle avait qu'à pas avec sa tête de triste. Son élastique tombe de ses cheveux. Elle ne pense pas à ses cheveux. J'attrape ses cheveux avec ma main sur sa nuque. On dirait un garçon. On dirait son frère. C'est un connard, son frère. Je vois ses seins sous son t-shirt. Les filles pensent à leurs cheveux et à leurs seins et ça se voit. Je déteste les filles qui pensent à leurs seins. Elles ne pensent pas à ces seins. Ça les rend encore plus incroyables. On dirait deux boules de glace qui ne fondent pas. Je serre sa main. Je serre sa nuque. Je me rapproche. Ses lèvres rondes et foncées, mouillées avec le sucre, on dirait qu'elles bavent.
Sa main colle dans la mienne. Elle a de la barbe à papa sur les doigts. Je lui ai montré comment manger. Tu déchires un bout et tu laisses flotter jusqu'à ta bouche. Elle veut pas, elle a sa tête de têtu, je déteste. Je serre sa main, je m'approche. Ses os, ses muscles, elle ne peut pas bouger. Je sens qu'elle le sent. Je sens ma force, je suis fort. Ma main est énorme, elle peut tout casser. Je suis doux, je me sens fort et liquide et tout en même temps. Sa bouche, ronde, foncée, j'entre dans sa bouche. Je veux fondre dans sa bouche et qu'elle me dévore comme de la barbe à papa. Elle m'a laissé la prendre, elle me l'a donnée, elle est à moi. Ma main dans ses cheveux, ses yeux me regardent, ça m'énerve. J'entre dans sa bouche, c'est énorme. J'enfonce mes doigts dans ses cheveux, son élastique. J'enfonce ma queue dans sa bouche. Je sens ses dents sur le point de mordre, elle ne mord pas. Je veux qu'elle aime ça. Je veux que ce soit le meilleur, le truc le plus fou qu'elle ait jamais pris dans sa bouche. Elle ne dit rien. Ses yeux ne voient rien, on dirait. Ses dents ne mordent pas. Ses yeux ne mordent pas. Je l'encourage. C'est bien, je suis doux. Ses mains sur mes cuisses, j'écrase sa main. Ses ongles ne griffent pas. Je ferme les yeux. Elle bave partout. Ça sent le sucre et le sel et la poudre à canon. Un cri éclate dans ma gorge. Je vois des ballons qui éclatent. Ses seins qui éclatent. Ses seins. Je lâche, je serre fort. Elle me serre plus fort entre ses lèvres. C'est terrible. Ses lèvres ne mordent pas. Ne crie pas, tu n'as pas le droit de crier. Je suis doux. J'appuie très fort encore. Je sens mes muscles, sa nuque minuscule dans ma main. Je la broie, sa nuque, à moi. Je l'écrase, je suis fort. J'écrase, encore, c'est bien, je décide. C'est ma force que je sens, et c'est fou, et c'est terrible. Mes muscles sont partout. J'entre plus fort dans sa bouche. Je suis fort dans sa bouche est partout. J'éclate. Bonsoir Pauline. Bonsoir. merci d'être là et félicitations d'abord pour ce texte. J'ai le livre ici à la carabine au solitaire intempestif. Et puis aussi pour le fait d'avoir pris en charge ces différentes voix, ces différents registres, finalement presque ces différentes dimensions qu'on trouve au cœur du texte. Je ne sais pas si je dois vous laisser reprendre votre souffle. C'est vrai qu'on entend là, effectivement, ce que vous évoquiez au tout début, de, avant la lecture, ces différentes dimensions du texte, à la fois cette scène de la fête foraine, dont on sent qu'elle divague doucement, effectivement, vers ce drame, vers cette agression sexuelle, avec l'augmentation de l'emprise, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis tout de suite, cette dimension, tout est entremêlé dans ce texte. Je ne sais pas si on doit dire de la vengeance, mais en tout cas du moment où cette jeune femme a grandi et où elle a pris la décision d'une certaine manière de se faire justice elle-même. Et puis au milieu, ces entraînements, comme si on assistait finalement à la manière dont on se forge des armes pour résister ou pour arriver à asséner une violence contre la violence. Je ne sais pas si les termes sont bien choisis. Peut-être nous dire... comme ça, comment est-ce que vous avez pensé ce texte ? Il me semble qu'on va reparler effectivement de cette scène de la fête foraine. Il me semble qu'il y a immédiatement l'envers, effectivement, dans votre texte, qui est ce moment d'après où on se fait justice soi-même, ou en tout cas la violence répond à la violence. Est-ce que c'est ce mouvement-là qui était à l'origine du texte ? Comment est-ce que vous l'avez pensé ? En fait, ce texte, il est un petit peu particulier par rapport aux autres que j'avais pu écrire avant. Parce que c'est ce que disait Dorothée tout à l'heure, en fait il a joué dans des lycées, c'était une commande pour une forme légère pour deux comédiennes à jouer dans les lycées quoi. Donc j'avais une idée un peu précise du dispositif de plateau en fait, donc quelque chose de très épuré comme ça, de très, très immédiat et puis deux actrices quoi. Et c'est vrai que du coup, pour moi, c'est très important voilà, que ça soit il a été écrit pour des femmes, en fait, aussi parce que
et encore une fois dans un dispositif voilà, très proche, un peu propre aussi de l'agite propre ou des formes comme ça un peu militantes en fait, parce que des représentations de viol d'hommes sur des femmes dans le répertoire de théâtre, il y en a beaucoup. c'est pas tellement ça qui manque. En revanche, comment est-ce que on peut se les réapproprier? Donc ça soit porté par deux comédiennes, écrit par une autrice, tout ça, pour la raconter autrement, en fait. Pas tellement pour remontrer, encore une fois, de manière incarnée, une situation, re-raconter une énième fois cette histoire, mais en faire récit, en faire théâtre, et se passer le rôle, et puis et se réapproprier ce récit-là, quoi. Ça, c'était l'enjeu de départ. C'est pour ça que dans le texte, il n'y a pas de nom de personnage. C'est pas des personnages identifiés. C'est vraiment des partitions de voix à se distribuer pour les comédiennes, quoi. Après, c'est aussi un texte qui, le titre à la carabine est un écho aux œuvres de Niki de Saint-Phalle qui peignait à la carabine littéralement, puisqu'elle tirait dans des poches de peinture de plâtre pour faire couler la couleur sur la toile. Et ça a beaucoup parlé à l'imaginaire, en fait, simplement dire qu'est-ce que ce serait que d'écrire un texte à la carabine, littéralement, et de vraiment de s'emparer de la violence, quoi, de ne pas essayer de la s'agir, de ne pas essayer de la résoudre, en fait, aussi parce que je crois que c'est un grand mensonge de penser qu'une violence subie disparaît d'elle-même. Et là, dans le cadre de cette histoire, qui est en plus basée sur des faits réels, donc qui m'ont profondément mise en colère, en plus, ce qui s'est passé pour cette jeune fille, c'est que le viol n'a pas été reconnu, en fait. Ce qui a été reconnu, le garçon a été reconnu coupable de détournement de mineur, mais pas d'agression. Et du coup, et de se dire que c'est ce qu'elle dit plus tard dans le texte, qu'il n'y a pas eu de prise en charge, en fait, qu'elle a même été condamnée pour l'agression qu'elle a subie. On lui renvoie la responsabilité, et en plus on lui renvoie avec cette violence qu'elle porte en elle, et c'est en gros elle de se débrouiller avec. Et c'est un personnage qui décide qu'elle va pas se débrouiller avec, en fait, qu'elle va juste la rendre pour pas se laisser détruire par elle, quoi. Oui, c'est des extraits effectivement qu'on n'a pas entendu là, sur ce rapport à la justice non rendue d'une certaine façon, qui amène à se faire justice soi-même. Et dans sa voix, il y a cette idée, effectivement, que le fait que la justice ne soit pas rendue est une deuxième agression après la première, peut-être une agression encore plus dure, finalement, à accepter. C'est une des dimensions du texte aussi, cette non-résolution au silence et cette non-résolution à l'absence de justice, d'une certaine façon. Oui, vraiment, en entendant cette histoire, encore une fois, vraie, et encore dans le texte, elle est un tout petit peu plus âgée, la fille à qui c'est arrivé avait 11 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, il y a eu tout un débat sur les questions de la majorité sexuelle, c'est ça qui a fait débat, en fait, alors qu'elle portait plainte pour agression, c'est vraiment sordide et scandaleux. Mais c'est vrai que moi, en entendant ça, je me suis dit, mais c'est pas, il ne s'agit pas de comparer les violences, mais il y a quelque chose de presque pire, en fait. Et comment se reconstruire après ça, c'est comme si ça scellait une reconstruction 15 fois, on ne va pas dire impossible parce qu'on souhaite qu'elle le soit, mais très, très, très difficile, en fait. Et c'est aussi en ça que, parce que j'ai eu des retours sur ce texte en disant, voilà, mais pourquoi est-ce qu'elle ne va pas tuer le juge, j'en sais rien. Mais pourquoi vous voulez qu'elle soit raisonnable à tout prix, tu vois, elle, voilà, elle fait sa nécessité. Et oui, elle est pas résiliente. C'est pas constructeur, en fait, comme geste. Mais c'est vraiment pas le propos, en fait. C'est vraiment pas le propos. Et puis surtout, c'est une fiction, quoi. Donc je pouvais me permettre ça. Et il me semblait que pour rendre sensible, parce que pour moi c'est un peu toujours l'enjeu de rendre sensible par le biais de la forme, par le biais de tout ça, la violence à l'œuvre. Il fallait pas que je la fasse respirer, quoi. C'est justement ça qui permet de l'éprouver, d'être au plus proche d'elle, parce qu'il n'y a pas d'issue. Et même dans son issue, il y en a pas vraiment, si ce n'est qu'en fait, elle est très lucide sur là où la justice lui a fait défaut et sur là où elle en est, finalement. Il y a cette idée aussi, finalement, que
ce qu'on entend aussi et la manière dont vous avez choisi des extraits le restitue très bien. C'est presque, j'ai envie de dire, la banalité de la scène dans un premier temps est presque finalement une scène qui n'apparaît pas au premier abord comme menaçante d'une certaine manière. Ce garçon est un ami de son frère. Est-ce que pour vous, il y avait aussi un enjeu autour de cela ? Je ne sais pas si la banalité de la scène est le bon terme, mais en tout cas quelque chose qui se situe sur un glissement, sur une emprise progressive et sur finalement quelque chose qui en soi n'est pas une menace extrêmement forte en tout cas. Est-ce que cette dimension-là, elle était importante pour vous, notamment dans cette scène de fête foraine, hors le fait que c'est là aussi à la carabine ? Oui, bah, c'est tout simplement parce que c'est dans 95% des cas, c'est des proches. Hein, donc c'est aussi pour ça que le personnage est quelqu'un de proche d'elle. Mais c'est vrai que il y avait deux, enfin, les petits défis à moi-même, enfin, dans l'écriture, il y avait ces deux-là. Il y avait effectivement comment raconter une scène qui dérape sans lui ôter la responsabilité de l'acte non plus. Et puis, parce que enfin, la question de l'agression sexuelle en plus, et de celle-ci en particulier, donc de fellation forcée, je l'avais déjà traversée avec d'autres textes, mais jamais du point de vue de l'agresseur. Et là, c'était aussi, encore une fois, en complicité imaginaire, parce que je n'avais pas encore rencontré avec les actrices, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut en. Mais exactement comme les chanteuses de punk rock à la fin des années 80 s'écrivaient salope sur le ventre, c'est vraiment la même idée en fait, et de se dire voilà, bah, comment se mettre à cette place-là, comment arriver à le raconter de ce point de vue-là, mais à travers quand même un regard de femme en fait. Et c'était un peu le double enjeu, à la fois faire vraiment zoom sur effectivement l'emprise qui se crée. Ça passe beaucoup par le frère, en fait. Je pense que pour le dire très vite et sans doute trop bêtement, mais là où la virilité est questionnée, ça passe toujours par le frère. Je crois qu'il y a besoin de ce. Il est venu un peu comme ça. C'était pas du tout conçu hyper précisément d'emblée, mais c'est vrai que en écrivant la scène, je m'appuie énormément sur le frère parce qu'en fait, c'est. C'est à lui qu'on se compare finalement, et c'est lui qui est mis au défi. Enfin, on a l'impression dans la scène, le dernier passage là, que c'est presque contre le frère qui dirigeait l'agression aussi à travers le corps de sa sœur. Enfin, c'est un peu de la même manière où la temporalité est un peu froissée puisqu'on on est sur deux temps en même temps. C'est aussi comme ça comment finalement dans un acte comme ça, il y a beaucoup beaucoup de choses à l'œuvre, enfin, qui sont impensées et peut-être impensables, mais qui d'un seul coup se cristallise et crée l'agression, quoi. Peut-être parler de ces entraînements aussi, puisque c'est encore une fois un matériau différent, une manière, une langue, une écriture différente, et c'est en même temps quelque chose qui dit. Alors, je disais au tout début là que c'était une manière de fourbir ses armes d'une certaine manière, comme si finalement c'était aussi une démarche de la victime, de la jeune femme, de trouver un moyen de ne pas être assignée à résidence de la victime et de celle qui subit la violence, et non pas de celle qui la donne. Vous voyez les choses comme ça. L'entraînement, c'est ça. C'est une manière de trouver des armes pour se constituer quelque chose qui va permettre de se faire justice, de rendre la violence d'une certaine manière. Finalement, ces enjeux-là, ils sont au cœur de ces entraînements. Ouais. Ouais, ou de se défendre, ou de se sauver la vie, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est vraiment. Puis alors, au début, les entraînements, ils sont construits de la manière suivante. C'est-à-dire qu'au départ, on est vraiment sur l'arme à feu. On suit l'histoire. Et petit à petit, les armes domestiques, en fait, et toutes les. Je les appelle domestiques, ça va un petit peu vite, mais toutes les armes du quotidien, ou ça passe aussi par le sport, tout ça que peuvent prendre les femmes aussi. Ça s'ouvre comme ça de plus en plus. Là, on l'a un petit peu entendu, il y a l'entraînement physique, il y a le couteau qui arrive, il y a les mots aussi qui arrivent. Et puis, quand ça continue dans le texte, il y a aussi les poisons, l'huile bouillante, vraiment tout ce qu'il y a comme ça dans une maison dont une femme peut s'emparer. Pour se défendre, en fait. Comment est-ce que de manière comme ça, comment petit à petit et de manière
nécessaire aussi. Les femmes prennent les armes et un peu de manière un peu plus large. Enfin, c'est pour ouvrir un petit peu le champ de l'histoire, l'ancrer dans une réalité plus grande que lui. Et puis que le personnage aussi, c'était une idée aussi qu'elle soit aussi soutenue, enfin qu'elle appartienne comme ça à toute cette collectivité, enfin tout ce pluriel de femmes qui s'arment et qu'elle soit pas toute seule dans ce combat non plus en fait. Elle vienne aussi l'épauler quelque part, à la fois poser un contexte qui est ample sur comment les femmes se défendent, pour le dire très très vite encore une fois, comment est-ce qu'on les condamne pour la violence. Enfin, c'est un texte qui est très très nourri aussi de la réflexion d'Elsa Dorlin sur le privilège qu'est la violence, les corps désarmés, tout ça. Donc elle l'explore plutôt du... Ce texte qui appelait Se défendre, oui, exactement. C'est ça, d'Elsa Dorlin. Oui, une philosophie de la violence, exactement. Bon, qui s'applique plutôt aux corps colonisés, mais qui trouve des échos avec les corps des femmes assez frappants, enfin assez évidents. Donc c'est vraiment... il dialogue beaucoup avec cet essai, le texte aussi. Peut-être encore une chose sur... vous avez évoqué l'agression que vous avez écrit finalement à partir du regard masculin. On a l'impression qu'il y a aussi une sorte de dispositif de regard porté sur les faits. La vision effectivement de l'agresseur, l'adresse au tu lorsqu'il s'agit des entraînements, une parole peut-être plus intérieure à certains moments du personnage. Est-ce que pour vous c'est aussi une manière finalement de travailler sur ce qui est visible, ce qui l'est moins? Une façon finalement de regarder le réel par différentes focales et par différents endroits. C'est comme ça que vous envisagez la chose au niveau de l'écriture? Oui, sans doute. Puis surtout, je pense peut-être de disséquer un instant, en fait, qui est vraiment le moment où... Enfin, là, dans le texte, c'est le moment où... Elle le dit, c'est le moment où il prend sa main, en fait. C'est comme si à partir... C'est pas tellement le moment où l'agression a lieu, c'est juste avant, où d'un seul coup, là, le mécanisme est enclenché et il ira jusqu'au bout, en fait. Et c'est vrai que tout, c'est pas de côté aussi. Enfin, là, sur le passage du dauphin, c'est la rencontre avec son propre désir d'adolescente, tout ça. Il est un peu construit comme ça, je pense, le texte. Moi, à partir de cet instant de bascule, comme si on dépliait un petit peu tout ce qu'il y a autour pour voir comment est-ce qu'on y arrive et qu'est-ce qui l'habite, en fait. Et qu'est-ce qui se percute à l'intérieur de ça qui crée la paralysie, en fait, ou la sidération, la dissociation, enfin tout ce qui peut arriver au moment où. C'est forcément retardé. C'est quand je dis, c'est le moment où il prend la main et hop, en fait, c'est déjà trop tard au moment où il lui a pris la main et elle le sait. C'est pour ça que, à mon sens, c'est pour ça que c'est vraiment un mécanisme, en fait. Enfin, que c'est pas tellement sur le moment, mais qu'en fait, ça vient de bien plus loin. Enfin, ça se cartographie de manière bien plus complexe que juste l'instant ou de la situation de l'agression elle-même, quoi. Le fait qu'il y ait aussi ces différentes temporalités, ça donne aussi à voir le rapport à presque à l'intériorité, c'est-à-dire plonger dans la tempête sous un crâne, si on peut dire, c'est-à-dire effectivement une sorte de désordre aussi sans doute dans le rapport au traumatisme, dans le rapport au souvenir, au temps, à la manière dont ça s'inscrit par rapport à la propre évolution de sa vie. C'est ça aussi que vous cherchez à mettre en place avec ces va-et-vient. Enfin, c'est des lectures que je fais du texte, mais je vous laisse bien sûr... Je pense que les va-et-vient, ils ont plusieurs... Déjà, ça permet de retarder un petit peu même si je pense qu'on le voit venir assez vite de ce qui va se passer, ça permet de faire monter un peu la tension, de retarder la chose. Après, le plateau pose la question, à quel moment ça se passe? Est-ce qu'on est au présent avec des flashbacks à la fête foraine, ou est-ce qu'on est au présent de la fête foraine avec des flash forward de ce qui pourrait se passer plus tard? Où est l'espace mental? Est-ce qu'elle fantasme cette vengeance? Est-ce qu'elle l'a fait? Enfin, ça, pour le coup, le texte est très très ouvert, très très ouvert sur ça. Finalement, c'est l'endroit de la fête foraine est beaucoup plus défini aussi, encore une fois, par... mais ça, c'est lié à la mémoire traumatique, effectivement, les flashs,
les d'un seul coup, on saisit nos deux entotoponeuses qui se percutent, et puis on voit un ballon, et puis enfin, tous ces flashs-là, oui, rappellent la mémoire. Mais c'est vrai que le moment du face-à-face, c'est un espace totalement. C'est que de la parole, en fait. Enfin, c'est totalement indéfini, quoi. Encore une ou deux petites choses, puis je vais peut-être me tourner vers le public s'il y a des questions. Peut-être revenir à cette idée de Niki de Saint-Phalle et à la carabine. Il y a cette idée d'écrire à la carabine, finalement, avec ce rapport aussi au, presque, je dirais, au rythme, mais aussi au lexique, à une forme de radicalité dans les mots. Est-ce que pour vous, il y avait cette idée, justement, d'écrire à la carabine, c'est-à-dire de s'inscrire dans quelque chose qui soit le plus proche possible, non pas des expressions figées autour de ces réalités, mais de quelque chose qui soit plus irruptif, d'une langue beaucoup plus apte, disons, à dire ces fulgurances-là, ces violences-là, ces intensités de violence. Pour vous, c'est aussi une réflexion en tant qu'auteur de porter une langue comme ça, abrupte, forte, cassante, réaliste d'une certaine manière. Comment vous travaillez là-dessus, finalement, pour écrire à la carabine? Vous n'avez pas des petites poches de peinture que vous explosez? Ouais, c'est une question qui est pas simple. Anne Théron, qui l'a mis en scène, ça me plaît beaucoup. Elle parle d'une fausse oralité. Elle dit que ça a l'air réaliste, mais ça ne l'est pas du tout. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus musical que réaliste. Et c'est vrai que je fonctionne beaucoup au rythme, à l'oreille, quoi. Après, la question de la... Enfin, paradoxalement, les moments qui... Les récits vraiment de violence, c'est pas ceux où la langue est la plus crue, finalement. C'est plus dans le quotidien que les gros mots, comme disaient les lycéens, qui étaient un peu outrés qu'on puisse écrire ça. Après, voilà, ce qu'on leur répond, c'est vous parlez comme ça, en fait. Donc, ça serait un peu bizarre d'écrire une jeune femme d'aujourd'hui qui dit « zut, diable », je pense que personne n'y croirait beaucoup. Oui. Donc, ça vient aussi de... Après, c'est... je crois qu'à travers cette langue, c'est... c'est tout ce qui ne se dit pas non plus, en fait. C'est aussi une incapacité à se défendre, elle vient aussi de là. Enfin, il y a quelque chose de la langue qui est assez, à la fois très très physique, mais très dépossédée. Enfin, et le moment où ils se parlent, en fait, c'est quand ils se parlent des dauphins et du frère que je suis gros, que je suis pas. C'est le seul moment où ils se parlent, en fait, vraiment. Sinon, c'est deux personnages qui se provoquent, quoi. Dans un contexte en plus, voilà, enfin, la fête foraine où il n'y a pas de parents. Enfin, c'est des endroits un petit peu des inter-espaces comme ça où. Où il peut se passer beaucoup de choses, quoi. Mais ouais, je crois que c'est surtout, de la, pour la langue elle-même, c'est beaucoup du rythme, et pour la question de la radicalité, c'était aller au bout des récits, en fait. Enfin, vraiment de pas éluder, de pas chercher d'issue ouverte. C'était vraiment d'aller au bout, quoi. Enfin, que ça soit aussi franc comme geste qu'un coup de feu, quoi. Peut-être dernière chose, vraiment, parce que je vous dis ça aussi, écrire à la carabine, c'est aussi une dimension, c'est aussi peut-être incarner à la carabine d'une certaine manière. On parle de plateau, on parle de théâtre, qui est aussi un espace du commun, un espace de la performance, du corps, de l'incarnation, qui a forcément, vous parlez de la relation au jeune public, mais c'est un espace politique au sens premier du terme, me semble-t-il. Ah oui, puis surtout, encore une fois, avec deux actrices, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très... en tout cas, dans la manière dont a travaillé Anne Théron, elle joue sur l'ambiguïté, en fait. On voit bien que c'est une actrice, mais bon, elle a une capuche, tout ça, voilà. Et c'est vrai que le moment où elle dévoile ses très très longs cheveux comme ça, il y a quelque chose qui se pose, qui vient achever le geste à ce moment-là. Il ne s'agit pas de raconter l'histoire, de cette histoire-là, mais que ça soit deux jeunes femmes qui le fassent en complicité, en bienveillance. Et là, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu à part, parce que les autres sont vraiment du côté du texte, et puis je pense assez peu au plateau, enfin, à des résolutions possibles. Mais là, c'était vraiment l'enjeu, de se dire finalement... C'est le théâtre qui fait émancipation plus que... et le fait qu'il y ait des jeunes gens qui soient là et qu'on en parle avec eux, tout ça, plus que
Est-ce qu'elle, elle s'émancipe en lui tirant dessus ou pas ? C'est pas tellement la question. C'est, en revanche, on raconte cette histoire, on la raconte jusqu'au bout, et c'est des femmes qui le font et qui se réapproprient ces représentations. Ouais. Merci beaucoup, Pauline. Je ne sais pas si vous avez envie de prendre la parole, peut-être pour une ou deux questions. On a quelques minutes. Oui, allez-y, je vous en prie. On va vous faire passer un micro. Merci. C'est peut-être un détail, mais comme vous dites que vous ne pensez pas trop à la représentation théâtrale, moi, c'est des questions que je me pose, par exemple, pour les images de fêtes foraines. Je n'ai pas du tout vu la mise en scène d'Anne Théron, mais par exemple, c'est vraiment pour faire image de la fête foraine, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez dans le récit et la narration, d'avoir des flashs comme ça? Voilà, je me pose cette question. En fait, c'est des éclats en fait. Enfin, il n'y a pas écrit voilà, il faut que ça se passe dans une fête foraine. On y a accès par ces fulgurances là. En fait, pour moi, quand je dis que je pense pas au plateau, c'est que je visualise pas une mise en scène. Enfin, je visualise pas un décor. Tout ça parce que voilà, je suis pas metteuse en scène en fait, tout simplement. C'est pas comme ça que mon imaginaire travaille. En revanche, je pars du principe très simple que un metteur en scène, une metteuse en scène, il va d'abord le lire le texte. Donc c'est d'abord une expérience de lecture un texte qui est écrit pour le théâtre. Donc, qui s'adresse à un imaginaire particulier, enfin, de gens qui ont des imaginaires sur le plateau aussi, mais pas que, enfin, j'espère pas que. Et te dire, voilà, le texte, l'écriture, elle a ses propres outils pour générer un rapport à l'image, un rapport au zoom, un rapport voilà, au rythme, au sensible, tout ça. Et le plateau a ses propres outils après. Et il va les retranscrire d'une manière ou d'une autre, ou pas, où il va les laisser de côté, il va peut-être pas s'occuper de ça, s'il trouve pas de solution, si ça lui manque pas, tout ça. Bon. Mais là, après, moi, très subjectivement, je trouverais que mettre une fête foraine sur le plateau, ça serait, ça serait un peu simple, en fait. Tu vois. Alors que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des images bien plus précises que ça. Donc, Anne Théron, elle en a fait entendre certaines. Et puis après, je sais plus si elle les a gardées. Il me semble pas qu'elle était dans la dernière version. Mais ça, c'est une solution possible. Enfin, ça peut être aussi de la vidéo ou ça peut être autre chose. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup finalement de réponses de plateaux possibles. Mais pour moi, c'est pas à moi de les trouver. Puis surtout pas devant un écran d'ordinateur où j'ai pas de plateau devant moi. Tu vois, où ce que je peux imaginer, il sera jamais à la hauteur de ce qui pourra se trouver là au présent, quoi. Ouais, et puis avec, enfin, ça pose quand même ça pose une dramaturgie, quoi. Ça pose un rapport au détail, un rapport au rythme. Enfin, il y a beaucoup parce que la scène de fête, enfin, autour du tir à la carabine, elle est sans cesse interrompue. Enfin, je disais tout à l'heure, elle est retardée. Puis, et encore une fois, les images, elles sont choisies. Quoi. Tu vois, c'est des voilà, quand tu fais aussi percute, il y a le sucre dont il est écho par ailleurs. À la fin, c'est un manège qui tourne très 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 vite, enfin qui met les têtes à l'envers. Enfin, c'est comme ça. Encore une fois, c'est servir de l'environnement pour, comme pour inscrire, enfin poser un éclat de sens en fait, enfin qui vient aussi éclairer, qui est éclairé par ce qui se passe et qui vient aussi un petit peu, infléchir ou compléter le tableau de la situation, quoi. Tu vois. Merci pour cette question. Oui, je vous en prie. Là aussi, on vous passe un micro pour que tout le monde vous entende. Bonjour. Merci pour ce beau texte. Là, j'ai une question. Je ne savais pas, quand vous avez fait la lecture, que vous aviez choisi que ce soit un texte pour deux comédiennes. Du coup, j'entendais une voix masculine. Alors, ma question, c'est si vous aviez... comment dire si un homme ou un jeune homme avait dû être sur le plateau, sur la scène, est-ce que vous auriez modifié votre texte ? Je
Je vais pas pouvoir répondre exactement à la question comme je l'ai pas envisagé, je le sais pas tout simplement. Enfin, j'avais ces deux filles en tête. En revanche, il a été mis en lecture avec un acteur aussi. Et il y a quelque chose. En fait. Et puis même dans le livre, je me suis posé la question, puis finalement, on ne l'a pas mis pour deux comédiennes, tout ça. Enfin, encore une fois, je pense que c'est plus la question du rapport à la représentation, enfin, du rapport entre les deux acteurs, actrices au plateau. Ça pourrait presque être, enfin, ça raconterait totalement autre chose si c'était fait par deux hommes aussi, quelque part. Enfin, se dire, voilà, on va s'emparer de ça, essayer de le traverser différemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'était aussi très beau, enfin, je l'ai vu voilà, mis en lecture avec un garçon et une fille, et de voir aussi, c'est pas, pour un acteur, se coltiner ce morceau-là, c'est plus difficile que pour une actrice peut-être. Voilà, faut quand même le porter. Enfin, puis, il a été travaillé dans les classes, et c'est vrai que les garçons disaient, mais je veux pas jouer ça, ça me fait violence, alors que pour les filles, il y avait quelque chose de plus évident, elles voulaient plus y aller. Quoi. Donc c'est plus... encore une fois, c'est dans le rapport à la représentation. Je pense qu'il ne s'agit pas de rendre réaliste, voilà, l'histoire elle est comme ça et on la voit au premier degré, mais de se dire en fait on la rejoue. Donc là, acteur ou actrice, tant que ça c'est clair, voilà. Je réponds un peu à côté. Excusez-moi. Oui. Puis la metteuse en scène, quand elle l'a lu et qu'elle savait que c'était pour deux actrices, elle me fait « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Ça va pas. » Elle a fini par quoi ? Elle fait « Ah oui, je comprends, c'est super. » Mais c'est vrai qu'au départ, elle a dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» quoi. Et voilà. Dans les didascalies, les deux personnages sont l'arme et la cible. Hein. Ouais, c'est vraiment le rapport en fait, qu'il s'agit de disséquer, encore une fois, plus que d'incarner des personnages. Peut-être encore une dernière question avant qu'on ne s'arrête. Vous allez sans doute pouvoir retrouver Pauline peut-être pour un petit temps de dédicace, de discussion. Je ne sais pas s'il y a encore une question. J'ai vu un bras se lever, oui, juste là. Je vous en prie, allez-y. Bonjour. Bonjour. J'aurais une petite question par rapport au processus d'écriture. J'ai lu plusieurs de vos pièces et vous écrivez souvent en fragments. Est-ce que, du coup, enfin, dans la manière d'écrire, est-ce que vous écrivez au fur et à mesure les différents fragments ou bien vous avez écrit, par exemple, toute la partie, pour cette pièce-là, toute la partie de la fête foraine, toutes les autres parties, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre manière d'écrire pour réussir à fragmenter tout ça et à faire une suite chronologique enfin, oui. Un peu un mélange de tout, en fait. Moi, c'est vrai que le fragment me vient assez naturellement, mais par rapport à la mémoire traumatique, tout ça, c'est vraiment une... Je sais pas si c'est une obsession. En tout cas, c'est très, très structurant pour le plateau. Après, c'est des allers-retours. Hein, du coup, au départ, les fragments arrivent, pas forcément dans l'ordre, ça va bouger, mais c'est vrai que, notamment sur ce texte, à un moment, j'ai eu besoin de les isoler, quand même, de dire, OK, pour bien voir comment est-ce que se déployait... la scène de la fête foraine et à côté la séquence et les entraînements, j'ai eu besoin d'isoler les trois grandes lignes en fait à un moment pour parce que de les voir toujours ensemble ça floutait un petit peu la vue et je me disais est-ce que ça avance vraiment, est-ce que c'est un, j'essayais de pas être paresseuse quoi, de dire voilà vraiment s'il y a un trou, s'il y a une ellipse qu'elle soit choisie, que je le sache. Donc je l'ai vraiment travaillé en aller-retour en fait entre voilà des fragments mis bout à bout et puis ensuite les parties isolées et j'ai remélangé et je suis revenue enfin voilà. Bien, vous pouvez retrouver ce texte à la carabine qui est suivi d'un autre court texte qui s'intitule Cheveux d'été, d'autres textes aussi comme Point ou Portrait d'une sirène et voilà, merci à vous en tout cas Pauline Perrade, merci beaucoup et merci de votre écoute, bonne soirée.